Salut tout le monde, c'est Roswell. On se retrouve donc pour la petite GDA du mercredi. C'est contre cette équipe-là. Hein. Je ne sais absolument pas comment ça se prononce. On est de moins en moins en guerre. Là, je trouve que ça fait vraiment, vraiment peu là. Donc voilà, on recrute Akadok, le dirigeant, c'est Shark. N'hésitez pas, venez nous rejoindre. L'alliance est ouverte. On accepte un petit peu tout le monde. Bien entendu, des niveaux assez élevés seraient franchement les bienvenus. Mais on accepte un petit peu tout le monde. On en est à. Tac, tac, tac. 24 sur 30. 24 sur 30. Donc voilà, il reste de la place. Donc n'hésitez pas à venir. Donc, qui va-t-on attaquer? Qu'est-ce qu'on en fait? Déjà, on a du tank bleu. Ça c'est pas mal. On s'est entamé. Oui, bon, il y a de quoi faire, mais voilà, je me serais bien mesuré à celui-là par exemple. Donc 4810. Je crois que j'en ai vu un qui était un petit peu au-dessus, qui était faisable. Bon, on va s'attaquer à lui. Du coup, on va passer en mono vert. La guerre, donc, c'est barrage de flèches. Hein, tous les, je ne sais plus combien de tours, on reçoit des flèches dans la tronche. Allez, on va attaquer ça avec l'équipe habituelle. Qui sera donc la mer Nord. Almur. Pardon, et Kingston. Hop. Qu'est-ce que ça dit? Il y a de la tuile déjà. Même c'est pas exactement l'endroit où je le voudrais. Ah, je vois déjà deux matchs faisables, mais pas sous le tank malheureusement. Hop, voilà, là c'est sous le tank. Par contre, bien entendu, il a fallu qu'il sorte son emblème de paladin maintenant. Ouais, du coup, forcément, ça suffit pas. Et ça, par contre, ça va suffire. Non, tu ne déclencheras pas. Ensuite, on va s'occuper de lui. Les autres en plus sont longs à parler au Nidas. On va s'occuper de lui avant qu'il déclenche. Voilà. On va, je pense, terminer Quintus. Ah non, ça termine pas. Ok, bon, c'est pas trop mal. Maintenant, il va falloir faire remonter un peu de tuiles. On a pris des dégâts, donc on va lancer mer Nord. Ça, on peut rebalancer un match comme ça. Bon, attention, parce que Quintus va pas tarder à déclencher. Est-ce que ça va suffire, Cadilène? Elle tape pas super fort. Bien entendu que ça ne suffit pas, mais au moins il y aura peut-être des esquives. Ensuite, où est-ce qu'on va faire remonter? Yes. Sont où les esquives? Sérieusement, quand c'est moi qui attaque Cadilène, il n'y a pas un seul coup qui donne et. Quand c'est Macadine qui attaque, voilà. J'ai perdu la Yarnor, ça c'est pas cool. Hop. Ok, c'est bon, c'est passé.
Très bien, première attaque, ça va. Ensuite, on a ça qui peut être pas mal. Attaquer celui-là. En quoi je vais l'attaquer? Je vais l'attaquer en violet. Je vais l'attaquer en violet. Bien entendu, Elfric qui va prendre la 26. Toi, tu vas prendre celle-là. Et on va y aller comme ça. J'aimerais vraiment bien prendre quelques troupes mana violette. Ça serait assez cool. Hop, déjà, on va pouvoir envoyer ça. Hop, deux, ça va m'en charger au moins deux, je pense. Ouais, on va taper comme ça. Se débarrasser aussi du tank, comme ça sera au moins déjà ça de fait. Et là encore une fois, remarque que je fais très souvent, mais enfin le healer sur l'aile n'a absolument aucun intérêt, vraiment aucun intérêt. Là j'ai plus qu'à me débarrasser d'elle sur le côté et qu'est-ce que vous voulez que Savina fasse toute seule? Elle n'aura pas déclenché une seule fois, elle aura servi à rien. Alors qu'en flanque, elle aurait peut-être pu déclencher, soigner le healer et me poser beaucoup plus de problèmes. Là, vraiment, sur l'aile, c'est un healer, c'est inutile. Donc faites-moi plaisir, arrêtez de mettre vos healers sur l'aile. À part la mer Nord, éventuellement Heimdall, mais même Heimdall, je trouve pas que ce soit top. Ah, oh, c'est sur lui que j'aurais dû utiliser la violette. J'ai mal regardé, il a pas respecté leur strat de tank. C'est qui ça? Blanche-Neige. Je la vois tellement rarement. Tellement rarement. Les stats sont vraiment dépassées, hein. Ensuite, c'était qui avait 4707 là? C'était lui. Ça peut être emmerdant. Ah, je serais tenté d'y aller en rouge puisqu'il y a un flanc vert. Le problème, c'est que le tank manie, il est rapide. Et du coup, ça m'embête d'y aller avec la couleur faible quoi sur un tank rapide. Mais si on a de la chance, je vais emmener comment elle s'appelle? Je vais y arriver. Mitsuko. Si j'arrive à la déclencher avant, il se suicidera. J'hésite à emmener le Père Noël que j'ai pas encore fini. Et qui va vraiment baisser mes capacités en fait enfin mes stats d'attaque quoi. Ninja, et on va y aller comme ça. Ah, j'avais dit Mitsuko. J'avais dit Mitsuko. Tant pis pour Yomé. Parce que là aussi, Mitsuko n'a pas une grosse stat d'attaque. Donc faut que je garde Zenobia, même si elle est un peu moins résistante.
coup, c'est elle qui va prendre la 25. J'ai absolument besoin qu'elle se déclenche le plus rapidement possible. Elle est là, ok. Hop, c'est toi qui prends la ninja. Voilà. Allez, on va y aller comme ça. En espérant beaucoup de tuiles rouges. C'est pas mal. Oh là là, non. Ah. Il y avait la possibilité de faire un diamant là qui s'est envolé à cause du combo. Ah, c'est pas vrai, ça fait deux fois que ça me fait ce genre de choses là. Très bien. Très bien. Hop, une petite tuile dans le vide, ça va me permettre. Non! Ah! Je voulais le soigner. Enfin, je voulais soigner avec Boltusk. On se calme, on se calme, on se calme, on se calme. On va se débarrasser d'elle tout de suite. Hop, allez, ciao, Père Noël. Ok, ça va, c'est passé quand même. Qu'est-ce qu'on va attaquer ensuite? On n'a pas de rouge à côté, c'est bien dommage. Là encore une fois, hein, c'est une Sabina qui est sur le côté. Le jaune et bleu. Le jaune, je pourrais peut-être le faire là-dessus. Hop, ça c'est quoi? Ouais. On va attaquer ça en bleu. Ça m'énerve ça. Tac, voilà, là c'est bien mis. Tac. Hop, Crystalis et les puces, comme d'habitude. La 25, elle est pour Frida. Hop, la 12, elle est pour Morel. Toi, tu vas prendre une 2. Hop, et on est parti. Prendre mon temps, hein, c'est des lents. J'essaie de faire remonter un peu de tuiles. Envoyer ça. Faire monter ça. Voilà. Maintenant, par contre, j'ai plus de tuiles. Et je vais prendre Isarnia dans la gueule. Ah non, c'est bon. L'enchaînement est bon. Ouf.
C'est bon, c'est gagné. Lui, il va déclencher, donc on va s'en occuper tout de suite. Hop. Oh, je pensais que ça le terminerait. Je pensais que ça le terminerait. Pas grave, on va s'enlever tout de suite le debuff de défense. Hop. On va envoyer ça dans le vide. Et on tape. Ok, c'est passé tranquillement. Ensuite, on a ça, il me reste le jaune. C'est pas tip top. Bah, tant pis, on va y aller en jaune. Hein. Donner des emblèmes à comment il s'appelle à Ureus et retirer ceux de June tout simplement pour pouvoir monter Wolfgang qui va récupérer les emblèmes de June. Non, c'est pour le Père Noël, je dis n'importe quoi, c'est pour le Père Noël qui va récupérer les emblèmes de June. Ureus va récupérer ceux de Bertie là. Alors, je commence à envie de bien abîmer lui d'abord. Hop. Parfait. Pas trop mal pour l'instant. On va se prendre un deuxième match dans la gueule. Ok, stop, 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 stop. Alors là, surtout, lui, faut que je m'en occupe parce qu'il peut vraiment faire très mal. Voilà. Que ça suffira pour Malikna. Non. Allez, avec un peu de chance, ça va la rapprocher. Bah là, parfait. Ok. J'arrive à déclencher Vivica maintenant, histoire de sauver au moins June. Ça devient plus compliqué sinon. Hop. Ah oui, ouh là là. Waouh. Ça, c'est pas grave, voilà. Ok. On va pouvoir continuer à parler. Fait mal quand même, Nords. Hein. On la voit jamais. Suffit. Flèche. Très bien. Hop. Allez, on va tout lui balancer à elle.
une fois, voilà, là il reste plus qu'un healer, il n'y a plus aucun souci. C'est vrai que j'ai mélangé les trucs, je sais plus où il était placé le Mélendor, peut-être qu'il était en flanc à la base et que c'était, il me semble. Bref, en tout cas, voilà, c'est passé. Alors, ensuite, il m'en reste une. Il me reste une attaque. Il me reste une attaque, ça sera pour qui? On va aller là-dessus. On va aller là-dessus. À quoi je vais attaquer? Parce qu'en vert, mine de rien, je suis pas non plus au top. Mon deuxième jaune commence à avoir de la gueule. Tatasker. Je manque quand même de héros verts à monter. Après, on est sur du 3,70 quoi. Allez, on va la jouer à la survie un petit peu. que je ne finir enfin que je ne dire que je ne finir de monter à 3,70. Donc là j'hésite entre Grégorion à 3,70 et un petit Quedmon. Il est où qu'ils l'ont fini? Faut commencer à descendre hein, pour les trouver. Allez, on va la jouer sur les coups critiques. On va se la jouer sur les coups critiques avec, donc on a dit Grégorion, il est là. Histoire de les utiliser un petit peu. Alors c'est elle qui va prendre la ninja. On est parti comme ça. Ah, j'ai mon téléphone qui m'échappe des mains. Brûler un petit peu, mais bon. Ça va, Telluriel en caisse. Oh, hésitation, là. Tac, ça va monter là. Hop. Plus Telluria. On va tout mettre sur lui. Ça fait 3 tuiles.
Nice. Ça va, tout s'enchaîne bien. Tout s'enchaîne plutôt bien. Hop, on voit ça, on balance ça sur Kedmon. Voilà. Et voilà, bon bah ça va, 6 OS, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Du coup, combien il leur reste d'attaque? 70, nous il nous en reste 92. Autrement dit, je sais pas si on est en avance ou en retard, honnêtement. J'ai la flemme de faire les calculs, on est à peu près à 80 points pour une OS. Ça a donné quoi? Donc ça c'est les attaques. Alors, combien de fois j'ai été attaqué? Ah, déjà, ici ils sont pris à au moins 3 fois pour me terminer. Hop, 29. C'est ça, 60, 89, c'est ça. Donc il y a 3 fois pour terminer ma défense, c'est cool. Et c'est tout, ils m'ont donc une seule fois. On est pas mal. Pas très loin des 500 points. Maintenant, on n'est pas nombreux, donc forcément les points montent vite. Donc voilà, bon, bah ça s'est plutôt bien passé. Ça fait plaisir de GDA de suite avec 6 OS. Puisque dimanche dernier, ça a été 6 OS aussi. Ça m'a changé un petit peu parce que les derniers GDA avaient franchement pas été terribles. Donc voilà. Sinon, bah allez, un petit point sur le jeu. Donc, la saison 5 a été annoncée. J'ai vu sur le forum, apparemment, il y aurait des choses un petit peu spéciales. Et entre autres, un nouvel événement. Alors, c'est à prendre avec beaucoup de pincettes. Hein, c'était un commentaire sur le forum. Je ne sais vraiment pas du tout si ça peut être vrai ou pas. Mais il y aura l'apparition d'un nouvel élément, l'élément pierre, donc en gris. À voir est-ce que c'est vrai, est-ce que ça ne l'est pas, j'en sais rien du tout. Je pencherais plus pour dire que non, puisque je sais pas si vous avez vu la vidéo de Williams tout à l'heure, où il présentait les héros de cette saison 5, ou en tout cas au moins certains des héros de cette saison 5. Il n'y avait pas de nouvel élément, ils étaient tous avec les anciens éléments bleu, vert, rouge, jaune, violet. Des héros qui ont l'air d'être très forts, encore une fois, forcément. Ça va être de toute façon de plus en plus fort, je pense, hein, au fur et à mesure. Forcément, faut bien pousser les gens à continuer à invoquer. Donc voilà. Bon, allez, sur ce, je vous dis à plus. Allez, ciao.